Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Crysis 3. Donc nous sommes le mercredi 24 avril, donc jour de mise à jour PSN, hier était le jour de mise à jour Xbox Live. Donc Crysis 3, pourquoi? Donc c'est un jeu que j'aimais plus, que j'ai revendu, que j'ai terminé, j'avais cette vidéo encore dans mon stock, que je ne devais pas encore fait partager, donc je me suis dit, il est temps de vous faire partager un peu de Crysis, vous donner un peu mon avis, mon opinion sur ce jeu, sur l'histoire, sur le gameplay, etc. Et vous dire quand même qu'hier c'était aussi mon anniversaire et que pour mon anniversaire il y a un an, on m'avait offert un saut en parachute que j'ai réalisé lundi 22 avril, donc un jour avant ma date d'anniversaire, vous voyez. Et pour vous dire que si un jour vous avez l'occasion de faire un saut en parachute, bah, il ne faut pas hésiter, surtout que moi j'ai sauté tout seul, c'est-à-dire je n'étais pas accroché donc à un moniteur, j'ai été accompagné pendant la chute libre donc avec deux moniteurs et ensuite l'ouverture du parachute et on est tout seul à naviguer, donc on a une radio qui nous dirige. Et donc c'est de la bombe et c'est extraordinaire, j'ai du mal à redescendre toutes les 5 minutes, je revois l'acte du saut en sortant de l'avion à 3500 mètres au-dessus des nuages avec le ciel bleu, c'était magique. Mais revenons donc à ce jeu, donc c'est un petit peu pour ça que je vous retrouve aujourd'hui. Donc Crysis 3, je vous rappelle donc que c'est un homme qui dans les aventures précédentes a été équipé d'une combinaison extraterrestre qui lui donne donc des capacités et plus des capacités surhumaines, c'est-à-dire qu'il saute plus haut, normalement il est plus rapide, il a deux capacités qu'on utilise assez régulièrement, c'est qu'il a un bouclier, quand il se fait tirer dessus, il a un bouclier qui peut se mettre en place quand vous appuyez sur la gâchette de gauche et que la gâchette de droite permet de le rendre invisible. Donc c'est pas mal du tout, à savoir que ces deux capacités sont limitées dans le temps, bien sûr, donc il y a une énergie qui est utilisée pour ces capacités. Là, comme vous pouvez le voir, pour les armes, il y a quand même pas mal d'armes, il y a pas mal de modifications avec lunettes, sans lunettes, silencieux, pas de silencieux, etc. Vous pouvez ajouter certaines armes, vous pouvez ajouter un lance-grenade, ça c'est assez classique. Voilà. Nous sommes dans un monde futuriste, donc sur la Terre, donc qui a été envahi donc par des extraterrestres, les Cels. Et donc au début de la mission il y a quand même beaucoup plus d'humains et c'est vrai que plus on avance et moins il y a d'humains et plus il y a des extraterrestres. Personnellement ce n'est pas du tout le type de jeu qui me botte, c'est à dire que moi dès que c'est des robots, des monstres, ça me saoule un peu. Moi j'aime bien avoir en face de moi des humains, voilà, des humanoïdes en tout cas qui ressemblent à des humains. Donc moi j'aime beaucoup Killzone, moi j'aime beaucoup la science-fiction, hein, mais bon voilà, j'aime beaucoup Killzone, voilà, qui est aussi très science-fiction, mais voilà, mais avec des humains, les Elgas c'est des gens, voilà, c'est des humanoïdes, modifiés mais humanoïdes. Là on tombe sur des petits aliens, robots, bon, au bout d'un moment moi ça me fatigue un peu, mais c'est personnel, hein, le jeu lui-même il est très bien. Il est un petit peu redondant, c'est-à-dire que bah, vous allez voir, là je vais faire quelques missions et à la fin c'est comme si vous recommenciez une autre mission. Le pourquoi du comment, peut-être parce qu'il y a trop d'assistance, la possibilité de marquer les cibles comme vous les pouvez les voir dans les petits triangles jaunes à distance permet effectivement de savoir où ils se trouvent en permanence ensuite. Ce qui veut dire que moi j'ai un radar, je l'enclenche, je les repère, je les marque. Je marque aussi tout ce qui est, comme ceci par exemple, tout ce qui est équipement, armes, équipement pour la combinaison, etc. Donc tout ça c'est marqué et ensuite bah, ils apparaissent toujours sur mon écran. Ce qui veut dire que bon, c'est quand même, ça aide beaucoup. Alors c'est vrai, c'est le futur, hein, donc pourquoi pas, hein, je dis pas que ça n'existe pas. Mais là j'ai mis le bouclier, vous avez vu, voilà, là, je vais l'enlever. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup, vous voyez, donc je sais à peu près où sont chaque ennemi et à chaque fois c'est la même chose, quoi. Vous allez avancer dans les tableaux et à chaque fois vous allez refaire la même manipulation, radar, marquage et tuer. Et donc c'est vrai que en sachant où ils se trouvent, ça rend les choses quand même plus simples, vous pouvez les contourner, vous pouvez les prendre par surprise, voilà. Après ça n'enlève pas du plaisir du jeu, mais c'est vrai que c'est un petit peu redondant. Voilà, maintenant pour ce qui est des graphismes, alors c'est clair que les graphismes sur console Xbox et PS3 ne sont pas du tout les graphismes qu'il y a sur PC. Sur PC, donc les vidéos que vous avez peut-être pu voir sur YouTube, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Sur PS3, c'est quand même un petit peu plus fouillis, c'est-à-dire c'est un peu plus épais comme trait. Les traits sont moins fins. Voilà, ça reste joli, ça reste beau. Mais personnellement, sur PS3, on a déjà vu des jeux plus beaux. Personnellement, je trouve que Far Cry, par exemple, est plus beau. Voilà, tout simplement. C'est beaucoup plus fin. Voilà. Mais bon.
Après, bon voilà, le monde est, les mondes sont très bien faits, il est possible de passer à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Franchement, c'est à ce niveau-là, voilà, c'est rien à dire. Donc, alors le gameplay, moi le gameplay, j'ai bien aimé. Alors bien sûr, ça facilite les choses, le fait d'avoir le radar, etc. Mais bon, c'est pas mal. Là, j'aime déverrouiller par exemple des mines qu'il faut placer à un endroit spécifique. Là, je me cache parce que bon, y a une sorte de tourelle automatique qui me tire dessus. La mission que j'ai là, tout de suite, c'est de, dans l'objectif principal, c'est d'aller détruire des DCA, donc des lance-missiles aériens, je pense. Voilà, sol-air, comme on dit. Et il y en a plusieurs. Donc la mission que je fais là, jusqu'à là, pendant les 15-14 premières minutes, les prochaines 15 minutes, donc ça sera une DCA que je vais aller détruire. Bien sûr, je vais rencontrer des ennemis. Alors ça, c'est bien, vous avez des endroits comme ça. Il y a plein de petits tunnels, des petits labyrinthes par où vous pouvez passer pour éviter des fois des tourelles, etc. Donc ça, c'est très bien fait. Voilà. Voilà, donc ce jeu, je vous disais, je l'ai ramené, je ne l'ai plus. Ils m'ont repris entre 27 et 30 euros, je crois, je sais plus. Et j'ai ramené en même temps que celui-ci, j'avais ramené Tomb Raider, ce qui m'a permis d'acheter Injustice God sans sortir une monnaie de ma poche. Donc quand vous faites des jeux assez rapidement et que vous savez que vous n'allez plus y rejouer, ça sert à rien de les garder. Franchement, je vous conseille de les ramener dans les magasins qui peuvent vous les reprendre, parce que franchement, bah, ça, si je ne les avais pas ramenés, j'aurais peut-être pas pris une Justice Gold, oui. Et là, en fait, quand je l'ai pris, j'en suis satisfait en plus, donc voilà, je ne l'ai pas payé, je suis super content. Si je peux remonter à ce qui alimente, voilà, j'ai repéré un autre, ouais, donc les repères, vous voyez, le marquage, hein, toujours, hein, des caméras que j'ai pas repéré. Alors souvent, faites attention, si vous avez tiré sur un ou deux, des fois, ils appellent du renfort, donc il faut refaire un coup de radar pour pouvoir les repérer, sinon, bah, vous pouvez vous faire prendre par surprise, hein. Donc voilà. Alors, où en sommes-nous? Donc bien sûr, quand ils sont en gris-vert là, donc c'est qu'ils sont neutres, hein, ils savent pas que vous êtes là. Dès qu'ils sont en orange et qu'ils se doutent qu'il se passe quelque chose, dès qu'ils sont en rouge et qu'ils vous ont repéré. Hein, tout simplement les petits triangles que vous voyez. Vous voyez, lui, il n'avait pas marqué. Voilà, tac. Donc là, j'ai une bonne arme en plus qui est détruite assez vite, parce que des fois, ils sont assez solides. C'est dur de les faire tomber. Et là, ça va. Donc, il faut quand même... voilà, moi, en tout cas, j'avais pris le... j'avais raté la bombe de ce côté de moi. Moi en tout cas, j'ai pris la décision de faire la plupart des attaques en furtif. Pourquoi? Que je me dis, si vous y allez au front directement en direct, vous avez une forte chance qu'ils se rassemblent tous et vous vous trouvez tout entouré, ou en tout cas avec plein de mecs en face de vous en train de vous tirer dessus. Et donc là, ça devient un peu le bordel. Et donc j'avoue que discrètement, c'est pas mal, quoi. Et je tire, je suis touché, j'ai besoin de bouclier. Je détruis ce que je vois, je vais bouger, voilà, je vais me cacher, je vais reprendre de la vie parce que ma vie descend quand même fatalement, et voilà, et là je suis mort. Donc voilà, j'ai laissé la petite mort, je me suis dit, bon voilà, hein, c'est la preuve que ça peut arriver, hein, je vais pas vous faire comme si je ne mourrais jamais. Voilà, et donc, et ça repart l'endroit où j'étais. Et c'est reparti. Tac. Donc là, tac, repérage. Pareil, hein, vous voyez, toujours le petit repérage, les armes, etc. Bon, c'est là, c'est le petit côté rodondant. Donc là, je suis au pied. En fait, comme ça, c'est la DCA que je dois détruire, que vous voyez, vous venez de voir là. Derrière les murs, hein. On essaie d'y accéder, mais en tout cas en toute sécurité, donc faut que je sécurise l'endroit parce qu'il y a pas mal de monde. À gauche là, ah, juste derrière moi, je l'avais pas vu arriver celui-là, pourtant je l'avais marqué, donc ça peut arriver comme vous pouvez le voir. Donc là je me dis, là je le suis pour le détruire. Il y a des fois, comme ils partent dans le sens inverse, bizarrement, parce qu'il m'avait repéré quand même, je préfère les laisser partir pour être sûr de mon coup, pour pas attirer l'attention. Ok, donc là, je suis. Donc là j'ai mon bouclier qui est en place, vous voyez, donc en bas à droite, vous avez la jauge qui descend. Donc quand elle arrive en bas, vous avez plus de bouclier, donc des fois je l'arrête,
Des fois je me cache et je deviens visible pour comme ça ils peuvent pas me voir. Là, la jauge elle est remontée. Donc elle remonte assez vite, hein. Ça c'est une bonne chose. À savoir que régulièrement vous pouvez aussi donc vous gagner des capacités pour la combinaison que vous récupérez. Et donc ça vous fait sauter plus haut, vous avez le camouflage qui dure plus longtemps, le bouclier qui dure plus longtemps, vous voyez, ces petites choses qui améliorent quand même votre combinaison, le gameplay bien sûr, qui va vous permettre de tenir plus longtemps face aux ennemis. Là on tient dessus par exemple, tac, j'avance pour juste en ce que le mec était au-dessus, le mec, le monstre, donc l'alien était au-dessus. Voilà, donc là il me cherche, hein, le truc orange là, il est en train de me chercher, donc là je suis en train de l'attendre. Est-ce qu'il va descendre? Oui, non, je vois qu'il bouge pas, je vais vers lui et boum. Voilà. Voilà. Donc là, je vais toujours vers mon objectif. Alors ça aussi, ça aide beaucoup en fin de compte de marquer et d'avoir les petits objectifs qui s'affichent là-bas, vous voyez, 400 et quelques mètres, etc. Donc vous avez des objectifs principaux et secondaires. Donc ça, ça aide beaucoup pour pas vous perdre parce que franchement, il y a des fois vous êtes dans un petit vrai petit labyrinthe de ces cartes et c'est vrai qu'on pourrait s'y perdre, donc ça c'est bien. Là je suis derrière la tourelle qui essaye de me détruire, donc en plus elle est fatale celle-là, elle avec beaucoup de vie d'un coup, je vais pas se rater, donc là je fais quand même assez attention et là je l'ai eu, voilà. Et donc je peux continuer ma mission. Alors je sais qu'effectivement, voilà, je suis bleu, hein, simplement, le voilà, elle est là, donc il y a encore du monde, toujours pareil, hein, du repérage. Donc c'est normal hein, que ça soit un petit peu rondant, parce que les actions qu'on fait là, je vois pas comment on pourrait les faire autrement, hein, donc c'est comme ça qu'on évolue dans un FPS, mais je pense que même aujourd'hui, dans l'armée actuelle, tout ça, c'est pareil, hein, vous faites du repérage, vous avancez, etc., donc il y a une redondance. Mais dans certains jeux, le scénario ou les actions qui sont réalisées vous permettent d'oublier un peu tout ça. Alors que là, je sais pas pourquoi, mais on le sent quoi, que c'est là quoi. Oh, on va recommencer la même chose, on le sent. Et bon. Alors voilà, je tire sur la DCA. Là déjà, je vois qu'il y a un mec qui arrive, un mec, encore une fois, un extraterrestre, un alien qui arrive sur la droite, je sais pas si vous avez vu, là, qui tire dessus, là, exactement. Voilà, qui est juste là-haut donc. Que veux-je faire? Il y en a un autre plus bas. Voilà. Alors il y a l'arc aussi, voilà, je l'ai pas utilisé l'arc, mais l'arc il est fatal aussi, franchement il est détruit. Ah ouais, c'est un monstre, il est monstrueux l'arc, hein. Je vous promets, avec ses flèches explosives ou non, etc., et électrique, tout ça, il est fatal. Vous pouvez régler sa puissance en plus quand vous tirez une flèche sur 3 levels différents. Et quand ça touche, hein, ça fait mal. Alors là, je me dis, tiens, il faut que j'éclate cet alien pour pouvoir ensuite finir ce que je faisais. Tac. Voilà, on va côté, juste là en plus. Vous voyez, donc il saute quand même pas mal, là, j'ai sauté. Là je suis en train d'aller le chercher pour être sûr d'être tranquille ensuite. Donc là je viens de récupérer non, je n'ai pas récupéré encore là, le fusil punch. Voilà, je viens de récupérer un fusil extraterrestre qui est très puissant. Voilà, et vous voyez, donc là je l'ai éliminé assez rapidement avec cette arme. Donc quand vous avez cette arme, je crois que vous pouvez pas devenir invisible, bouclier, je ne crois pas, parce que c'est la technologie extraterrestre. Je me fais compte, voilà, c'est là que je vais pouvoir agir. Voilà, la TCA. Neutralisé. Tu peux venir. Merci, prophète. J'arrive. Bouge pas. La cavalerie est en route. Et voilà donc mon compatriote qui vient achever le travail. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, donc il n'y en aura pas d'autres, parce que pour l'instant je n'ai pas eu lieu. Après, des fois, ça m'arrive de reprendre des jeux pour faire des vidéos en occasion. Pour l'instant, je ne pense pas. Les futures vidéos, donc il y aura sûrement un petit peu de Tomb Raider, il y aura sûrement du Injustice God. Voilà, j'espère que vous appréciez. Et voilà, il y aura encore de la Formule 1, il y aura d'autres jeux, il y a Grid qui arrive, il y a MotoGP, etc., etc., la PS4, tout ça, c'est toujours là. Voilà, et ben, je vous souhaite de passer une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus.